Salut tout le monde, c'est Ophélie de ma salle de sport 3.0. J'espère que vous allez super méga bien. Alors aujourd'hui, on débute une nouvelle semaine avec une petite séance de renforcement musculaire avec l'élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, aucun souci, c'est des exercices qui peuvent se faire sans. Tout simplement, l'élastique rajoute de la résistance, de la difficulté. Voilà. Alors, ça va être essentiellement pour le bas du corps. Donc, on peut prendre son élastique. Si vous avez un trou, il faut l'enfiler au pied. Sinon, si vous avez un élastiband qui est rond et fermé, vous pouvez le mettre juste autour des mollets. Alors, on va laisser deux espaces pour ceux qui ont des élastiques avec trou. Alors, vraiment, les élastiques, si vous n'en avez pas chez vous, n'hésitez pas à en acheter. C'est vraiment rentable avec tout ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment super bien. Alors, premier exercice, on peut avoir une chaise, un mur, ce qu'on veut pour se tenir ou tout simplement garder l'équilibre. On va monter et descendre en élévation latérale. 20 fois à droite en soufflant. Je fléchis la jambe qui reste au sol, je garde le dos bien droit, les abdos gainés. Une fois qu'on est fait 20, je change évidemment de côté. Genoux fléchis, jambes tendues pour celles qui montent. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. 20 fois à droite, 20 fois à gauche. Deuxième exercice. Je monte sur le côté, puis genoux. Côté. Sans poser au sol, genou, côté, genou, côté, genou, côté, genou. 20 à droite, puis 20 à gauche, côté, genou, côté, genou, côté, genou, côté, genou. Voilà. On passe au suivant, cette fois on se met face à la chaise ou face au mur, on se tient. La jambe qui reste au sol reste toujours fléchie, l'autre jambe reste tendue et on va chercher en arrière. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. On travaille les ischio-jambiers. L'autre jambe, 20 fois toujours. Alors, on ne penche pas en avant, on garde le dos bien droit. Ok, une fois qu'on a fait ces trois exercices 20 fois, on reprend un exercice qu'on a déjà fait. Donc on monte cette fois seulement juste le genou devant. Comme si on pompait quelque chose. 20 fois toujours. Dos droit, abdos gainés. Puis on change de côté. 20 de l'autre. On travaille en même temps l'équilibre. Donc si ça ne va pas, on se tient. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Sans reposer. Très bien. Ensuite, on passe à un autre exercice. On va ouvrir sur le côté, croiser devant. On ouvre, on croise. On ouvre, on croise. L'autre jambe est légèrement fléchie, on croise. On ouvre, on croise. On ouvre, on croise. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on croise, on ouvre, on croise, on ouvre, on croise, on ouvre, on croise, on ouvre, on croise. Très bien, toujours 20. Et on passe au dernier exercice. Cette fois, on va laisser un écart supplémentaire. Donc, on ouvre. On a cette fois 3 espaces entre. D'accord? Et on va monter le genou beaucoup plus haut, faire des petits rapides. À peu près 20 secondes cette fois. Puis on change. De l'autre côté,
Attention de ne pas marcher dessus. Et des petits. Très bien. Donc, on a le premier exercice. Sur le côté, 20. De l'autre côté, 20. Le deuxième exercice, en haut, genou. En haut, genou. 20 de chaque côté. Puis, on a face à la chaise. Excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Donc, on est troisième, on est face à la chaise. On lève derrière. D'accord. 20 fois de chaque côté. Puis, on avait, qu'est-ce qu'on avait? Genou, on pompe avec deux intervalles des deux côtés. Puis ensuite, on avait j'ouvre, je croise. 20 de chaque côté. D'accord. Et le dernier, montée de genoux, trois espaces. Petit rapide. Voilà. 20 secondes pour le dernier, petit rapide. Hein. Voilà pour la séance avec l'élastique. Vraiment, n'hésitez pas à la faire même sans, si vous n'en avez pas. C'est toujours une chose importante de bouger, avec ou sans résistance. Voilà, avec ou sans matériel. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous dis à mercredi. Au revoir.